Aujourd'hui, on fait un programme de 3 exercices pour retrouver, augmenter ou maintenir la force de vos muscles fessiers. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercices. En position debout, en appui sur la jambe gauche, vous faites une rotation interne de la jambe droite, le genou tendu et la hanche légèrement fléchie. Votre jambe est donc vers l'avant et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran pendant environ 60 secondes. Pour assurer votre équilibre, vous pouvez placer vos mains sur le mur. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice de renforcement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur la jambe droite et la jambe gauche est en rotation interne, légèrement avancée, et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez placer vos mains sur le mur derrière vous de façon à assurer votre équilibre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté gauche, la jambe droite placée en rotation externe et légèrement vers l'arrière, donc en extension, vous levez la jambe le plus haut possible jusqu'à la limite de votre mouvement, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Alors, vous placez votre jambe gauche légèrement derrière vous, vous tournez votre jambe en rotation externe et vous levez votre jambe dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes.
et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains jointes, les bras devant vous, vous effectuez un mouvement de flexion bilatérale des genoux, lentement, puis vous revenez à la position de départ. Vous adaptez l'angle de flexion des genoux à vos propres capacités physiques. Et on répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont publiés un peu partout à travers le monde, notamment en France, et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous puissiez vous les procurer facilement, notamment à la Librairie du Québec à Paris, sur leur site web ou en personne. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. We'll be right back.